Patrick Defossé, je suis compositeur et pianiste, habitant le monde, ce serait bien, mais un monde aussi parmi les lavandes, c'est-à-dire en Vaucluse, dans les montagnes ou la prémontagne, sur les bords du Ventoux, là où l'imagination des papillons se gagne et cette imagination se porte sur les musiques qui depuis longtemps font partie de ma vie, puisque je suis tombé dans la marmite de la composition musicale tout petit et du piano aussi. Je viens de la Belgique et la Belgique est un pays de confluence d'esthétiques. Donc ça tombe sous le sens que mes esthétiques sont multiples, allant du baroque au punk, etc. Et aujourd'hui, le projet que je porte est cela. Beaucoup d'éléments esthétiques différents, mais qui s'intriquent les uns dans les autres pour être une polyphonie d'esthétique. C'est une rencontre de compétences. Nous avons fait appel à un auteur qui est très publié chez Gallimard et qui est un spécialiste du roman noir qui s'appelle Jean-Bernard Pouy et qui nous a écrit le livret. Donc c'est un polar surréaliste. J'étais en train de me faire une crise de schizo de première grandeur. Ça m'a calmé. Music notes? Non. Interagira par le biais de iPad sur l'œuvre elle-même et le vidéaste va s'emparer des mots, des phrases, etc. pour dessiner une partition musicale qui lui est particulière. Quelquefois, nous sommes franchement étonnés parce que la libre parole, l'expression libre qu'offre l'interaction avec l'iPad sur l'écran qui est l'espace médian entre les musiciens et le public, l'écran translucide, et bien quelquefois ça devient un espace politique où les gens expriment des choses dont on n'a absolument pas idée et quelquefois c'est de la poésie pure, quelquefois c'est de l'étonnement, c'est de, on va dire, le public réagit émotionnellement et il nous exprime oui, il se passe ça, etc. D'autres fois, bon, voilà, chaque concert en fait, chaque fois où on représente, au moment où on représente l'œuvre, ça devient autre chose. Et ça fait partie des enjeux du départ de cette réalisation. Ça ne retardera que le problème. J'espère qu'il y a d'autres moi un peu partout, rien que pour les emmerder.